touché non seulement à la raison, mais aussi en plein cœur, parce que moi qui suis membre de la commission du développement dans ce Parlement européen, j'aime à savoir que l'aide qui est prodiguée, l'aide et le soutien, doit aller aux populations qui en ont besoin, en règle générale. Et donc que des aides soient détournées, soient mal utilisées, ça me gêne beaucoup, parce que ça discrédite l'aide européenne, l'assistance européenne, mais aussi la relation bilatérale. Et donc il est clair que, je pense qu'il doit y avoir, et l'OLAF est là pour le souligner, et fait son rôle, je pense que toute aide, quelle qu'elle soit, aide, coopération, doit être utilisée de la meilleure manière qui soit dans l'intérêt des citoyens. C'est une règle de base en politique. Quand vous utilisez les budgets de manière optimale, vous n'encourez aucun reproche. Et je pense que là, il faut être inflexible, quels que soient les endroits, et faire en sorte que l'aide telle qu'elle est prévue arrive aux populations auxquelles elle est destinée. Hier, en 2007, en 2020, il n'y a pas eu une réaction de la Commission pour dire voilà, on passe à un contrôle strict sur l'aide, cette aide. En tout cas, il y a eu réaction du Parlement, parce que chaque fois, on a pu dénoncer les mauvaises utilisations. Alors, ce n'est pas uniquement à l'égard de l'extérieur. Au niveau intra-européen, il y a aussi des aides qui sont mal utilisées dans certains pays, pas bien utilisées. D'ailleurs, c'est une des règles aujourd'hui quand on dit que l'Europe va avoir un plan intérieur de 750 milliards d'euros supplémentaires. Ça nous fait plaisir, c'est très bien, c'est une belle réaction. Il faut juste que cet argent soit utilisé de la manière la plus modèle qui soit dans l'intérêt des citoyens. Et donc, faisons des leçons peut-être à l'extérieur, mais faisons-les aussi d'abord chez nous pour utiliser correctement l'argent qui est mis à disposition. Et là, je pense que le citoyen pourra croire à nouveau et de manière, je l'espère, beaucoup plus ferme au projet européen.